Alors bonjour, est-ce que nous pouvons commencer? Vous m'entendez bien? Alors aujourd'hui, on va vous expliquer ce que notre compagnie a inventé pour aider les entreprises, les institutions, comment on peut sortir de cette situation-là. Les situations qui sont liées avec la pandémie, la crise. Et je voudrais bien vous parler de l'histoire de mon projet. On va essayer d'être rapide aujourd'hui. Alors, je me présente. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis représentant de notre conseil d'ambassadeur en Italie. Je suis chef du projet NDE. Je suis gestionnaire de ce projet. Je suis hôte du jeu simulateur J'ai de la finance, des Gérants du monde pour la paix aussi, ça c'est mon association. Nous, on doit absolument créer le monde un peu partout dans le monde pour que l'on puisse utiliser toute cette prospérité qu'on essaie de gagner et ce qu'on veut. Je suis speaker et investisseur privé, copropriétaire de notre portefeuille global, comme vous tous d'ailleurs. C'est pourquoi je suis un parmi vous. On va parler maintenant d'où on est venu, nous, qui nous sommes, ce que nous proposons, et l'utilisateur final de notre projet. On va parler de nouvelles professions au sein de ce projet-là. On va vous expliquer comment vous pouvez organiser votre business au sein de notre projet.
Alors, changeons notre slide maintenant. Et on va parler de l'histoire de notre projet. Comme vous voyez très bien, en 2011, nous, on a créé tout grâce à l'Académie d'investisseurs privés. Et en 2019, on a vu la naissance du programme Crypto Unit. En 2021, nous avons concrétisé notre projet, nous avons conçu notre projet. Des nouvelles cartes digitales. Alors, l'Académie d'investisseurs privés, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Pendant ces 10 ans, on va changer la slide. Et vous pouvez calculer ici qu'à partir de 2011, l'Académie est devenue un portal global avec 10 ans, dizaines d'années d'expérience, avec 1 650 000 personnes enregistrées d'un nombre absolument fou de pays. Au sein de notre compagnie, vous allez trouver des enseignants avec beaucoup, beaucoup d'expérience dans le domaine des finances. Nous donnons des connaissances dans le domaine de la croissance personnelle. On organise des cours privés, de groupe, tutoriels, si vous en avez besoin. Alors, tout ceci est fait par l'Académie d'investisseurs privés. Et je voudrais bien vous montrer une petite vidéo qui va vous parler brièvement des choses qui se font dans l'Académie. L'Académie de l'investisseur privé, qui sommes-nous? Alors, nous sommes un système efficace de notre siècle et on travaille chaque jour sur notre amélioration, notre perfectionnement. On apprend les gens à utiliser l'argent. On donne aux gens une vision complète de la science, le développement personnel et du business. On travaille en 179 pays. Il y a beaucoup de cours qui ont été créés par nous. Et ça a permis aux gens de devenir des investisseurs avec beaucoup de succès. Nos étudiants deviennent des consultants, des analystes du marché et de la bourse. Nous apprenons à apprendre, à analyser, trouver des instruments pour travailler avec succès dans un certain de segments de marché. Nous apprenons à utiliser les connaissances en pratique en gérant vos portefeuilles. Nous soutenons nos étudiants lorsqu'ils veulent créer quelque chose, des technologies à risque, des projets à risque. Et nous unissons des gens et nous, on montre la liberté et comment on peut l'atteindre. On vous développe, on crée une nouvelle réalité selon le concept de la nouvelle évolution économique du monde. Au lieu de nous poser la question combien on gagne, ce serait plus important de savoir comment on fructifie notre argent. Et il y a des réponses à ces choses-là, à ces questions-là. Nous sommes l'Académie de l'investisseur. Nous avons renouvelé notre marque pour avoir plus d'efficacité, plus de globalité, pour donner plus de connaissances pour des gens, pour vous. J'espère que vous êtes bien débrouillés ici, vous avez compris la vidéo et je l'ai montré pour que vous puissiez comprendre ce que nous voudrions bien avoir en tant que résultat, une nouvelle vision d'investissement chez les gens, une mentalité. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, dernier temps, le monde, la vie a beaucoup changé, dans le contexte des technologies surtout. Et les gens, vous savez, ils doivent être conscients dans le contexte de ce nouveau paradigme. Alors, c'est important de savoir comment on peut gagner de l'argent. C'est très important de fructifier votre capital. Et c'est
pour ça que nous apprenons les gens à avoir cette liberté financière. C'est une des cinq raisons. Les cinq composantes du succès, je voudrais bien que vous. Je voudrais bien que vous écoutiez notre PDG, Monsieur Kovratov. Alors, encore une vidéo. Ça va durer 1 minute, pas plus. Mais ça, c'est une vidéo très importante. Alors, soyez attentifs. Écoutez attentivement. Je suis André Kovratov et je vous présente notre nouveau cours, Les 8 règles de la richesse, de la prospérité. Et là, vous allez apprendre comment on peut utiliser les 8 règles de la richesse pour devenir riche. Alors que la richesse, c'est comme les 5 doigts sur. Ça ne peut pas être un seul doigt. C'est la même chose avec la vraie richesse. Il y a 5 éléments. Tout d'abord, c'est la santé. Pour être riche, il faut être sain. Sain. Il faut avoir de la santé. La deuxième chose, c'est l'attitude. L'attitude envers vous-même, envers les gens qui vous entourent, la planète, le pays où vous habitez. Alors, la troisième chose, c'est la composante émotionnelle. Il faut avoir un niveau très élevé d'émotion pour avoir une attitude correcte. Alors, la quatrième chose, ce sont les finances, l'indépendance financière. Mais vous savez, si vous êtes libre financièrement, c'est pas joli, vous savez, si vous avez un seul doigt. Et la dernière chose, c'est votre prédestination. Ça, c'est ce qui constitue une personne bien développée. Alors, vous voyez, le dernier élément, c'est la mission, la prédestination. Notre mission, c'est quoi? C'est la nouvelle évolution économique du monde. C'est la nouvelle distribution des ressources, c'est l'aide aux autres, parce qu'évidemment, nous, on a pratiquement 2 millions de personnes qui peuvent aider la compagnie et les autres gens à améliorer la vie de toute la population, un peu partout sur la planète. La prospérité, la réalisation des rêves, ça, c'est notre tâche. C'est pour ça que le programme a été lancé. Et on va voir maintenant une composante très importante de notre activité. Nous avons vu ce que l'Académie fait. Nous avons analysé les missions de la compagnie, la réalisation de la nouvelle évolution économique du monde, de la communauté qui va jouir de tout ce qui va être donné par nos actifs, ce que nos actifs ont donné, ce que les entreprises vont produire, les entreprises qui feront partie de notre écosystème. Et pas à pas, on va passer sur l'échelle de notre développement. Alors, ça, c'est un programme. Et notre portefeuille a été créé avec les jetons. Les gens qui vont acheter notre jeton sécurité, votre cru, ils sont propriétaires de notre portefeuille global. Et là, c'est un portefeuille qui va unir un grand nombre de projets. Et vous allez devenir propriétaire avec un minimum de ressources. Alors, vous voyez maintenant d'autres histoires de ce qu'on a pu avoir en tant que résultat. Alors, quelles sont les étapes ici? Alors, le 30 mars 2019, nous avons lancé le programme Crypto Unit et le 8 janvier, 9 mois après, nous avons passé à la deuxième partie du développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ces 9 mois, nous avons fait un pré-lancement de notre projet. Nous avons expliqué aux gens ce qu'on veut faire, ce qu'on entend faire, en donner des informations à des milliers de gens. Et le 19 avril 2020, nous avons commencé à réaliser les transferts
des données dans notre système blockchain. Et lorsque toutes les données sont transférées à la blockchain, nous commençons à avoir l'autorisation de la commission SEC et nous avons l'autorisation pour la vente des jetons sécurité. Grâce à une compagnie suisse qui a toutes les licences. Malheureusement, la pandémie change complètement le paradigme du monde financier. Évidemment, dans ce contexte-là, nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Alors, un nouveau instrument qui pourrait aider la compagnie ou les personnes physiques. Alors, 19 janvier 2021, après un an de préparation presque, après une analyse détaillée de la législation, nous avons lancé le projet de la nouvelle évolution digitale. Et maintenant, on va changer nos slides, on va parler plus en détail. Pourquoi est-ce que cette nouvelle évolution a été créée? Alors la réponse est tout à fait simple, malgré que ce soit compliqué en même temps, à cause de la pandémie qui a touché tout, ce n'est pas la seule région, pas un seul pays, mais le monde entier. Et le monde, vous savez, un an et demi, combien, essaie de lutter contre cette crise-là. Les gens sont chez eux, perdent leur emploi, les compagnies ferment la boutique, même les gens qui continuent de travailler ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Alors changeons notre slide maintenant. Et maintenant, on va voir ce qui se passe avec les gens. Vous voyez ici un grand nombre d'articles tirés de journaux italiens, mais ça se passe un peu partout dans le monde. Les gens ne sont pas capables de payer leur dettes, leurs crédits, leurs factures. Et vous savez, tous ces gens-là qui pensaient avoir de l'argent en tant que crédit, ils ne sont pas capables de donner des garanties aux banques. Votre pouvoir d'achat n'est pas une dispense. Suffisant. Vous pouvez avoir un appartement, souvent, c'est pas quelque chose qui suffit. Vous pouvez être un travailleur honnête, mais vous savez, vous n'avez pas pu payer votre dette une seule fois juste parce que vous aviez une situation compliquée dans le business ou au boulot, votre employeur n'a pas payé votre salaire, et voilà. Et notre mission maintenant, c'est la création de l'évaluation digitale aux compagnies, aux entreprises, aux personnes physiques. Et on peut travailler avec des entreprises, avec des personnes. Nous créons un instrument. Un instrument qui peut donner aux institutions financières assez de garanties pour que les gens deviennent des payeurs sûrs. Et les gens peuvent Les compagnies peuvent créer des postes pour les gens. Et moi, en tant que gestionnaire, je vous prie de promouvoir cette formation de partout, parler tout le monde. Nous, on peut vous donner l'espoir. Nous avons tous les instruments indispensables. Ça c'est l'espoir pour l'instant, mais ça va être certitude dans le futur. Et notre produit, bientôt,
être accessible à tout le monde, on veut tous. Passons à notre slide suivante, s'il vous plaît. On va voir quels sont les avantages du système, du programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir l'accès qui va durer quelques secondes, une minute maximum. Normalement, je dois apporter tous mes documents dans le contexte des profits à la banque, aux institutions financières, et attendre des semaines et des semaines, des mois parfois, leur réponse positive ou négative. Et nous pourrions vérifier les compagnies rapidement, vraiment rapidement. Alors, vous ne perdez pas de temps, tout simplement. Vous recevez une possibilité de faire des transferts rapides. On travaille avec la blockchain. C'est pourquoi nous on garantit la sécurité et toute cette efficacité financière, ça revient. Il y a quelques avantages qu'on peut imaginer. Alors, changeons la slide, s'il vous plaît. On va voir comment ça marche. Les garanties traditionnelles, les garanties qui travaillaient toujours au cours des années, mais les autres compagnies n'ont pas d'accès à tout ça. Alors, le système est vraiment confortable. Elle est très utile pour nous tous, elle est accessible. Et moi, en tant que compagnie, je devais être dans la catégorie A. Je devais faire un paiement non retournable de 15% à peu près de la somme que je demandais. Et évidemment, le temps indispensable pour le dégel des ressources, ça prend du temps quand même dans des pays différents. Ou bien j'ai fait un dépôt avec mon immobilier, le coût de ce capital, ça coûtait jusqu'à 100% du coût de l'argent que je recevais. Après ce capital qui a été mis en dépôt, c'était gelé, tout simplement, pour une période assez longue. Ça pouvait durer 6 mois dans certains pays, mais vous comprenez très bien que si vous êtes obligé d'attendre pendant 3 mois pour avoir l'accès à votre argent, votre capital, ça veut dire que vous n'avez pas de possibilité d'acheter quelque chose ou d'être libre dans vos solutions financières. Et vous savez, on devait attendre une centaine de jours pour avoir un crédit. Et grâce à un clic, maintenant, nous pouvons recevoir cette garantie. Ça va être vérifié très rapidement. Et vous avez la possibilité en quelques jours de recevoir toutes ces ressources dont vous avez besoin aujourd'hui. Et ça, c'est une grosse différence principale en quelque sorte. On va passer à notre slide suivante et on va essayer de comprendre quelles sont les possibilités qui sont données par les garanties digitales, dans quel domaine, dans quel secteur vous avez la possibilité d'utiliser notre produit. Et comme j'ai déjà dit, vous avez l'accès à une consultation immédiate grâce à la blockchain. Et moi, j'ai évidemment mon porte-monnaie digitale qui est garanti par la blockchain. Je peux faire des paiements instantanés. Très rapide, je peux signer des contrats, y compris
des contrats pour louer la voiture, l'appartement. Je peux faire des transferts importants, des paiements importants. Et j'ai un escrow account. C'est comme une sorte de d'acte notarié qui garantit le futur pour le contrat à être réalisé dans le futur. C'est bien utilisé. C'est utilisé très souvent avec les diamants ou des contrats long terme de location. J'ai aussi une garantie de paiement et je travaille avec des lignes mensuelles avec les fournisseurs des services ou des produits. Et j'utilise une plateforme très commode, business to business. Le fournisseur, le client, ils se sont très, 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 très bien, en fait, tranquillement, je peux travailler et me développer dans d'autres conditions, en fait, des conditions de sécurité et tranquillité de moi-même, de mes contre-agents, contreparties. Et nous allons parler de nos projets en détail. Et je vous rappelle le 3 et le 4 juillet. Notre gain va être présenté à Rome. Dans un centre parc de distraction qui organise des événements magnifiques, vous pouvez y venir personnellement. Vous pouvez assister à notre rencontre. Et vous avez une opportunité de participer avec une somme d'argent, avec une somme d'euros. Vous pouvez participer en ligne, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Lorsque ça vous convient, nous, on va vous montrer une nouvelle vision. Comment on peut faire du business. Et tout ceci, ce sera accessible à partir du 5 juillet, toute une nouvelle paradigme. De nouvelles opportunités, des opportunités qui vont vous remplir d'énergie, qui vont vous donner d'enthousiasme et vous allez pouvoir travailler avec de nouvelles méthodes. C'est pas parce que je suis gestionnaire du projet, mais c'est parce que ce projet est très important pour nous tous. On va parler maintenant des innovations dans l'évaluation digitale. Alors, qu'est-ce qu'on pense faire? On pense créer une liste, une sorte de registre pour que tous ces contrôles puissent être rapides. Les vérifications, ça va être rapide. On veut pas que ce soit que tout, on voudrait bien que tout soit clair pour l'utilisateur. Il y aura quelques registres. Tout d'abord, ce sont le gouvernement, les municipalités, les organes d'État dans tel ou tel pays. Le deuxième registre, ce sont les institutions financières. Des compagnies d'assurance, on va avoir les registres d'entreprises qui vont être partagés en sous-catégories pour que nous, on puisse trouver de nouvelles professions, des professions qui vont travailler dans tel ou tel secteur. Nous allons voir les registres des personnes physiques, vous voyez, l'éducation professionnelle, je vais vous expliquer ce que c'est que c'est ça. Nous, on entre dans le nouveau monde. Souvent, les personnes physiques ne savent pas comment ça marche. Et souvent, les gens, ils ont des difficultés à comprendre comment ça marche, le système de taxes. Ils ne se sentent bien dans le monde digital. Ils ne se débrouillent pas toujours très bien
avec les logiciels. Alors, nous allons préparer un cours qui va consister en quelques leçons. Et vous tous, je suis sûr, certains, vous allez en avoir besoin. Je suis absolument sûr que faire tout ce qu'on pense vous apprendre à faire, ça va être une chose absolument normale, ordinaire. Alors, utilisons les machines bancaires, hein. Utilise les téléphones portables. Maintenant, c'est simple. Bon, bonjour, il y a quelques années, c'était compliqué. Il faut apprendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors ici, sur ces slides-là, vous voyez le mot la sécurité, c'est quelque chose qui nous manque. Alors, on pouvait être honnête. Être des gens qui travaillent d'arrache-pied, être des gens, quelqu'un qui essaye de trouver une réponse dans une situation compliquée. Et vous savez, nous, on doit être sûr et certain aux yeux des institutions financières. Alors, si par exemple les fournisseurs ne sont pas sûrs que nous on a ce pouvoir d'achat, ils ne sont pas sûrs que nous on va payer. C'est pourquoi, grâce à nous, grâce à notre registre, nous allons revenir à cette sécurité. Alors, les garanties. Aux contreparties, comment est-ce que ça va marcher? Nous allons créer des catégories dans notre registre. Nous allons garantir, y compris le gouvernement, les institutions financières, les municipalités ou les organismes d'État qui organisent des concours. On pourra leur donner des garanties de la réalisation de tel ou tel travail. Des paiements ou autres opérations. Alors, ceux qui vont faire partie de notre registre digital, vous allez avoir possibilité d'utiliser cette opportunité de participer dans les concours organisés par l'État. Alors, il est écrit ici, avant l'ouverture de votre cabinet personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons déjà commencé notre travail, mais pour toute notre communauté, vous savez, on n'a pas encore le cabinet personnel. Il est déjà prêt. Et à partir du mois de juillet, au mois d'août, on va lancer notre cabinet personnel lié avec les garanties digitales et les compagnies qui vont entrer à l'étape pré-ouverture du cabinet personnel, nous allons donner des avantages. Alors, ça va être le revenu de jalonnement. Vous allez faire partie de notre registre. Alors, la somme que vous devez payer pour entrer dans le registre, nous, on va vous donner des jetons pour faire ce paiement. Et au cours de 10 ans, vous allez profiter des dividendes de ce projet. Vous allez couvrir le paiement de vos cours, en fait. On va changer notre slide et on va voir ce que les compagnies peuvent faire, les compagnies qui vont faire partie de notre registre, vous allez utiliser les garanties des compagnies pour des compagnies privées, pour les banques. Vous savez, cet ordre, ce n'est pas par hasard d'ailleurs.
Cet ordre dépend du volume, en fait, de contrat. Et le volume le plus grand, le plus élevé, c'est quoi? Ce sont nos compagnies. Parce que dans le pays, il y a un nombre absolument fou de pays, de compagnies, et ça peut se passer lorsque les clients ont de l'argent et les fournisseurs ont des produits ou du matériel, mais les deux compagnies n'ont pas de confiance. Vous savez, c'est pourquoi ils s'adressent aux banques pour recevoir cette garantie bancaire qui va garantir que tout sera payé. Alors, la même chose se passe avec les personnes physiques. Alors, pour recevoir une garantie bancaire, les compagnies peuvent laisser quelque chose aux banques, l'équipement ou l'immobilier. Les banques vont revenir, ça, c'est sûr, mais le coût de cet immobilier, ça va être ça va coûter moins normalement parce que la situation économique va changer et le pouvoir d'achat de telle ou telle somme, ça va pas augmenter, c'est sûr. Alors, les jetons security tokens, jetons de sécurité, vous savez, c'est quand même un mécanisme qui va être à la base du projet et sa croissance, la croissance du prix de jetons, vous savez, ça va couvrir toutes les dépenses que je vais, tous les frais que je vais payer. On va parler maintenant des gens qui utilisent les services bancaires. Souvent, vous voyez ici, sur notre slide, la slide qui est dans notre chambre italienne. Alors, notre jeune fille qui sourit. Alors, chacun de nous va à la banque pour voir un certain nombre de services. Et on demande aux banques une certaine somme d'argent quand même. Imaginez les situations où moi, je suis sûr certain, des jours qui viennent, mon futur, je suis sûr que je vais payer tous mes comptes et mes factures, la voiture que j'ai acheté plutôt à condition de paiement par étape, par étape, par étape. Et vous savez, dans ce cas-là, le stress n'est pas très élevé. On peut vivre tranquillement et grâce à notre projet, vous savez, au sein de notre nouveau holding, tout devient absolument réel. Vous devez comprendre tout simplement comment ça va marcher, ce monde financier. Outre ça, nous pouvons vous proposer une possibilité de travailler. Tous ces gens-là qui sont les membres de notre communauté, les membres de notre écosystème. Je voudrais bien vous montrer comment les nouvelles professions ont été créées, les nouvelles professions. En deux mots, je voudrais bien vous parler aussi de quoi? Normalement, petit, mais important en même temps. Alors, changeons notre slide. On va parler maintenant de nos objectifs. Nous parlons maintenant de 10 millions de compagnies, entreprises et 100 millions de personnes physiques. Ça peut paraître des chiffres absolument folles, fous, mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Parce que dans le monde, vous savez, les chiffres que vous voyez ici, ça fait seulement 3% de la population ou des entreprises, même moi. Alors, les personnes physiques deviendront les membres de notre communauté. Ils auront beaucoup, beaucoup
davantage. Elles seront les copropriétaires de notre portefeuille d'investissement mondial. Alors, elles peuvent en profiter, elles peuvent profiter des avantages du projet. Et vous voyez le volume du marché que nous, on pourra avoir grâce aux ventes de notre éducation. Pour les personnes physiques, on s'oriente au chiffre de 25 milliards de dollars. Les entreprises, c'est 112 milliards de dollars. Et tout le volume du marché de jetons, ce sera à peu près 800 milliards de dollars. Vous ajoutez aussi tous les transferts entre les compagnies, les personnes physiques. Les personnes physiques des pays différents, en fait. Évidemment, les contrats smart, ça ne va pas coûter des chiffres énormes, 2% par an peut-être. Vous pouvez savoir que ça ne va pas être votre profit passif. Les smart contracts qui seront signés entre les clients, je vais avoir mes commissions. Et ça va faire partie du projet qui est, en même temps, fait partie du portefeuille global. Vous allez toucher des bonus, des dividendes grâce au développement de notre projet. Et maintenant, je voudrais bien vous dire, vous chuchotez une petite nouvelle. Alors, le 3, le 4 juillet, vous allez apprendre une petite chose, mais elle est très importante. Dans le contexte de ces trois nouvelles professions, maintenant, je ne vais pas dévoiler tous les secrets. Je vais vous dire les choses qui sont écrites ici et sur la slide. Alors, il y a trois professions qui sont créées. Le signaleur, c'est la première personne qui informe, en quelque sorte, les gens. Le vendeur digital, c'est quelqu'un qui sait comment vendre. Les contrats intelligents et tout ce qui vont passer notre éducation, les compagnies qui voudront y participer, ils allons avoir besoin du gestionnaire digital. Ce sera un expert qui se spécialise dans l'activité du cabinet personnel. Il sera dans la liste spéciale des gens qui ont une licence pour faire des activités de ce genre-là. Et maintenant, la stade suivante, nous allons parler des fonctions du vendeur digital en vendeur professionnel. Il va enregistrer l'entreprise juridique. Ils vont toucher les vendeurs digitaux et les gestionnaires leurs primes, leurs dividendes. Ils peuvent travailler lorsqu'ils veulent. Vous allez toucher un profit assez important quand même, suffisant. Alors, qu'est-ce que vous devez avoir pour devenir en vendeur digital? Vous devez passer le cours de vous enregistrer en tant qu'entrepreneur digital individuel pour avoir la possibilité de faire des transferts. Vous allez recevoir votre salaire et vous allez payer vos impôts dépendamment du pays où vous êtes résident, de quel pays. Alors, nous avons déjà parlé des vendeurs digitaux. Quelques mots. Dans le contexte des gestionnaires digitaux, alors, il faut des heures pour expliquer tous les détails dans le contexte de cette profession. Mais vous savez, aujourd'hui, brièvement, on va parler de leurs activités. Alors,
Liste A, c'est la liste des gestionnaires digitaux qui ne travaillent pas avec les tiers parties. Ils travaillent dans leur cabinet personnel, dans les cabinets personnels de leur compagnie. Alors, ceux qui vont fournir des services aux tiers, des personnes physiques, les compagnies, ils vont faire partie de la liste B. On va diviser cette liste en deux catégories. Et nous allons voir, à notre slide suivante, quelles sont les catégories concrètes. Nous allons voir cinq sections pour les gestionnaires digitaux. Alors, section numéro 1, c'est le droit d'utiliser les garanties digitales pour des activités de famille, familiales. Alors, section 2, 3, 4, 5, ce sont les gens qui pourront travailler dans le contexte de la compagnie, non seulement avec des personnes physiques. C'est ici que nous avons partagé nos managers, dépendamment des possibilités des compagnies avec lesquelles ils peuvent travailler, en commençant par les entrepreneurs individuels et on finit avec les holdings, les grands holdings. Alors, plus élevé votre niveau, plus d'éducation vous devez avoir, devez être préparé de manière efficace quand même. On va parler de notre éducation, notre training. Alors, vous avez déjà expliqué pourquoi les gens ont besoin de garanties digitales, quels sont les avantages qui vont être donnés. Maintenant, on va voir combien ça va coûter ce training. Peut-être personne peut se le permettre. Alors, si c'est trop cher, ça prend trop de temps. Notre éducation, c'est quoi? C'est un cours de garantie digitale. Il va comprendre 15 sections, 15 sections dans laquelle il y aura quelques leçons, 60 leçons. Le programme est divisé en 15 parties. C'est pourquoi chaque jour, vous pouvez apprendre les choses pendant la pause café ou lorsque vous êtes dans votre voiture. Il y a toutes les leçons qui sont enregistrées quand même. Alors, l'éducation, c'est la première étape qui va vous donner la possibilité de comprendre notre projet, de vous débrouiller dans le projet. La deuxième étape, c'est l'achat des jetons. On va passer maintenant à notre slide suivante. Ça veut dire que moi, grâce au paiement, je reçois l'éducation, les jetons qui me permettent de participer d'entrer dans la registre. Alors, ça va coûter combien? C'est divisé en deux catégories. Il y a l'éducation standard. Ça ne coûte que 100 dollars. Ici, vous pouvez utiliser les garanties. Pour les utiliser personnellement, dans le contexte au sein de notre communauté, et les gens qui vont utiliser les garanties pour travailler avec des tiers ou des banques, des institutions financières. Ici, l'éducation, ça va coûter 400 dollars. C'est Training Plus. C'est 400 dollars. Je pense que ça, c'est vraiment une somme ridicule pour toute l'information que vous allez recevoir au sein de notre projet. Alors, l'éducation pour la compagnie, pour les compagnies. Alors, il y a quatre catégories. Les entrepreneurs individuels, ils ont la possibilité de payer 2 500 dollars. Et nous, on comprend que la situation n'est pas simple.
Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ils sont pareils. Alors, deuxième niveau, c'est pour des associations, des sociétés anonymes. 12 500 dollars, c'est pour les fondations, des compagnies plus grandes. Et les holdings, ça va être 25 000. On peut payer par étape. Étape par étape. Alors, les compagnies peuvent faire le premier paiement et commencer le cycle d'apprentissage. Outre ça, nous avons la possibilité d'entrer dans le registre digital à l'intérieur de la registre, du registre. Je dois être là pour avoir la possibilité d'être un partenaire garanti et d'un projet. Alors, maintenant, on va changer notre slide. On va voir combien ça va coûter, la participation dans le registre. Alors, vous vous souvenez que moi, lorsque je vous ai dit que le pré-lancement du projet, avant l'ouverture du cabinet personnel, vous savez, les compagnies qui vont entrer à la phase initiale vont recevoir du profit, des dividendes, du stockage de leurs jetons. Alors, la registration et la réception du code, ça va coûter 2 500 dollars. Les compagnies qui vont entrer à la deuxième phase, elles vont payer. Être plus bas, vous voyez ici 500 dollars, 1000 dollars, 500 dollars, 10 000. Alors, ce revenu supplémentaire, vous n'allez pas le toucher. Alors, les personnes physiques qui sont physiques et qui veulent entrer dans notre registre ne devra pas payer. Les codes, c'est pour les compagnies. Les personnes physiques à payer 100 dollars ou 400 dollars pour l'éducation. Et si vous entrez le registre rapidement, vous allez utiliser toutes les opportunités rapidement aussi. Alors, le plan marketing, on va en parler parce qu'évidemment, ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Combien nous, on pourra gagner? Pour voir maintenant le plan marketing, mais je dois attirer votre attention au fait que ça, c'est le plan marketing qui va travailler à partir du moment du lancement de notre cabinet personnel. Avant ce moment-là, nous, on va utiliser le plan marketing de la compagnie The Rich. L'entreprise Vorich. Alors, changeons notre slide. Ici, maintenant, vous voyez que le vendeur digital, il y aura des dividendes un peu différents. Alors, ce sont les chiffres qui vont. Les vendeurs digitaux, ce sont les gens qui vont aider la compagnie à conclure des contrats. Et le vendeur digital, le signaleur, ils vont toucher leur commission de la compagnie, The Rich. Et dès que nous, on est prêts à ouvrir notre cabinet personnel, vous allez toucher ces plans marketing, les plans que vous voyez sur l'écran. On va en parler en détail à Rome le 3 et le 4 juillet. On va vous présenter nos nouveaux bonus, nos nouvelles dividendes. Et vous allez entendre de nouvelles incroyables. Personne ne va vous dire que nous, on va le faire. Vous allez l'entendre ici à Rome. Et à partir de demain, vous pouvez travailler, vous pouvez commencer les ventes, la distribution, commencer à être promoteur dans ton projet. Et
Quel que soit votre rôle dans notre projet, en tout cas, vous n'allez pas gagner tout simplement. C'est pas seulement le profit, le revenu, mais à partir du premier moment, vous allez toucher un revenu garanti. C'est pourquoi je ne veux pas m'approfondir dans les détails, mais à votre place, je serai très attentif. Et venez à notre congrès hors ligne, en ligne. Vous allez recevoir des avantages en comparaison avec les gens qui n'ont pas acheté le ticket. Alors, je vous ai prévenu, et maintenant, on va passer à la conclusion de notre présentation. On va terminer en 3 minutes ou 4. Alors maintenant, je voudrais bien vous parler des rémunérations à nos vendeurs. Alors regardez ces chiffres-là. Je ne sais pas où vous m'écoutez, au nord de la planète, au sud, à l'est ou à l'ouest. Je ne sais pas quel est votre salaire moyen dans votre pays. Mais grâce à un contrat conclu, grâce à un cours, un forfait éducatif, vous pouvez apporter chez vous à partir de 175 USDU jusqu'à 1750 USDU. Et ce sont des opportunités énormes. Vous allez les recevoir. Et il n'y a pas de limite ici, vous savez. Vous pouvez conclure plusieurs contrats, deux, trois, ou même plus, par semaine. Et ce sera un salaire intéressant, moyen. Alors, pensez-y. Si vous pouvez conclure des contrats en 12 000, par exemple. Alors, vous avez trois rendez-vous, vous avez un salaire moyen. Évidemment, les compagnies vont commencer partager l'information avec les clients, les fournisseurs. Et il y aura ce mécanisme de, vous savez, de radio bouche à oreille. Et on va lancer, vous savez, un moteur éternel, en quelque sorte, qui va nous donner la possibilité de changer les paradigmes, en quelque sorte, du travail et des institutions financières, des travaux de compagnie, les mécanismes de votre vie, en fait. Ce paradigme-là, ça va marcher pendant des dizaines d'années dans le futur. Alors, qu'est-ce que je dois dire aux gens avec qui je vais communiquer? Voyez ici, ce centre stratégie du succès. Je vais expliquer à la compagnie qu'il faut réserver le code. Ils vont après l'examen, doivent acquérir l'éducation, passer les examens, et puis vous créez votre rating digital, votre évaluation numérique. Peu importe combien de jetons j'achète, je peux en acheter ou en package énorme. Je peux m'enregistrer dans le registre, je peux commencer mes activités au sein de la compagnie, de la société. Personne ne vous demande de faire quelque chose de miraculeux, pas de miracle ici, mais nous, on vous donne la possibilité d'utiliser cette opportunité tout simplement magnifique.
Vous allez recevoir des transferts des institutions financières. Et maintenant, je voudrais bien vous montrer notre dernière slide. On va parler de notre vie réelle. On va parler du pain, on va parler du riz. Le pain, le riz, ce sont les produits de base que les gens mangent un peu partout, dans tous les coins du monde, de notre planète, depuis des milliers d'années. Et je voudrais bien vous montrer un moment tout petit, mais quand même. Alors, vous savez, certains de vous me dites, ce sont des mots incroyables, oui, on est persuadé. Mais vous savez, peut-être vous n'avez pas raison. Vous savez, notre projet, ça existe depuis 2 ans. Trouver une personne qui ne tombe jamais, c'est normal. Les enfants, ils pleurent après être tombés, mais quand même, elles se lèvent et elles marchent. Et cet enfant devient plus capable de faire des pas importants. Et maintenant, en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? 1 kilo de pain, ça coûtait 3 dollars à peu près. Et ça correspondait à 2200 crus. J'ai cru parce qu'en 2019, au cru, ça n'existait pas. Alors, si j'achetais 1 kilo de pain en 2019, il y a 2 ans, je devais dépenser 2000 crus. En 2021, j'ai besoin de 9 jetons avec le prix de 40 centimes. Et en 2023, dans 2 ans, j'aurai besoin de 3 centimes crus. Alors, on peut voir la même chose avec exemple du riz. Mais je vous donne ces produits de base. Ça se passe avec votre immobilier, avec vos ressources financières. Alors changeons notre slide et maintenant on va parler de nos investissements. Alors ça c'est l'or ici parce qu'au cours de milliers d'années, l'or est bien demandé. Et j'ai pris en tant qu'exemple les actions de Ferrari, parce que ça, c'est une des compagnies qui, dont les actions sont évaluées au niveau 1 sur 1. Ça veut dire que si vous avez une action, vous donnez de l'argent pour cette action-là. Pas de perte ici. Une compagnie Internet, en quelque sorte. C'est parce que si vous allez à la banque et vous avez des actions, la banque va vous donner 60% du prix de votre action en tant que crédit. Alors, en 2019, 1 gramme d'or, ça coûtait combien? 40 dollars, 5 000 crus. Maintenant, l'or, ça coûte 55 dollars pour 1 gramme. Et je dois payer pour 1 gramme, c'est combien? 137 crus. Et dans 2 ans, apparemment, ça va coûter 75 dollars et 65 centimes crus. 65 crus centimes. Vous voyez?
Et maintenant, ça, c'est notre slide, c'est notre dernière slide. Et c'est toujours notre pain. C'est pas l'exemple des dollars. Je dois travailler pour gagner des dollars, mais les jetons, j'en ai déjà. Et grâce à la croissance de nos jetons, comme cela se passait au cours de 2 ans, vous voyez qu'avec 9 crus, je peux acheter 1 kilo de pain. Et en 2023, avec le même cru, 9 crus, je vais acheter 200. 86 kilos de pain. Vous imaginez? Je mets quelque part, 3 dollars, dans 2 ans, avec ces 3 dollars, j'achète 1 kilo de pain, peut-être moins même. Mais si je mets quelque part 9 crus en réserve, dans 2 ans, avec les mêmes 9 crus, acheter beaucoup beaucoup de pain, 286 kilos. Vous pouvez penser que je suis visionnaire ou quelqu'un qui parle des choses fantastiques, mais vous savez, peut-être je sais pas compter, je ne sais pas compter ni lire, mais je suis assez intelligent pour mettre de côté, dans mes réserves, assez de jetons. Je parle en nombre, je m'en fous, de gens avec une multitude de compagnies. Personne ne me dit que ça, c'est une mauvaise idée. Mettre de côté, en tant que garantie de ma vie future, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, mais nos jetons, digitaux. C'est pourquoi tout le monde attend le lancement de ce projet-là. Et c'est pratiquement lancé. Alors, venez, venez à notre congrès. Écoutez-nous online. En ligne. Je pense que je vous ai fait penser à ces choses-là. Vous savez, même les gens qui sont sceptiques je vous conseillerais d'y réfléchir parce que chaque matin, nous, on se réveille et on regarde le soleil, mais parfois, il pleut, on voit des nuages. Mais même s'il pleut pendant quelques jours, rien ne change dans le monde. Nous avons quelques obstacles parfois entre ces nuages, le soleil. Si on ne voit pas de soleil, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas levé ce matin-là. Ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu, une petite période. Et vous devez croire votre instinct, vous-même. Vous devez croire. Cette occasion qui vous a poussé au sein de notre communauté. Partagez cette information avec le maximum des gens. Invitez des gens à notre congrès le 4, le 3 et 4 juillet à Rome. Alors, je vous salue tout le monde. Je vous souhaite une journée magnifique aujourd'hui, évidemment.